Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi. La semaine est encore passée assez vite quand même. Ce matin, c'était encore blanc, gelé. On a eu à sortir. Mais j'ai mis 10 bonnes minutes de la porte d'entrée du bâtiment jusqu'à la voiture alors qu'elle est devant. Et encore avec Lola qui me tenait, ça glissait, c'était une vraie catastrophe. Là, depuis, il est bientôt 14h. Eh ben, là, ça a tout fondu, ça s'est réchauffé un peu. Alors, il fait pas chaud, hein, mais il fait beaucoup moins froid, ce qui fait que ça a fondu. Voilà. La route glissait, c'était pas génial, mais on a eu à sortir. Donc, nous sommes allés chez Action, comme on allait là où il était. Chez Action, j'ai trouvé des nouveaux. Alors, je pense que c'est des nouveaux, hein, je les avais jamais vus. Diamond Painting. Vous savez que j'aime tout ce qui est attrape-rêve, donc je l'ai trouvé trop joli. Désolée. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais on verra. Donc là, hein, c'est les boîtes standards. Il n'y a que les motifs qui changent, hein, vous les connaissez. Il y a 30 000 Rhinestone dedans. Ensuite. Ah, mais elle m'a mis sa balle là, c'est pour ça qu'elle aboie. Elle m'avait mis sa baballe dans mon sac. J'ai repris un vélum bleu. Alors, vous savez, c'est celui qui est sur le thème marin. Avec les méduses. Là, voilà, celui-là il est superbe, avec l'hippocampe et les coquillages, la coquille Saint-Jacques avec la perle, et celui avec la tortue, je le trouvais vraiment très joli, donc j'en ai repris un deuxième. J'ai trouvé des œufs de Pâques, ah oui, hein, Pâques c'est pas maintenant, mais je les ai trouvés tellement jolis que je les ai pris, ils devaient être dans les 1 euro le sachet, donc rose poudré, et blanc avec des petits papillons et dans les teintes verre d'eau. Donc j'en ai pris un sachet de chaque. J'ai repris une petite pochette comme ça de stickers Diamond Painting. Dans l'après-midi, je pense que je vous ferai des petites démos, des petits tests. Donc là, c'est un autre motif. Il y a 4 ou 5 couleurs différentes, mais c'est pas toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en violet, il y en a 2. Mais c'est la couleur de l'écriture qui change et c'est pas les mêmes motifs dedans. Donc quand vous les sélectionnez, regardez bien. Moi je regardais même plus les couleurs, du coup je regardais les dessins qui sont là. Là on a une coccinelle, une abeille, un papillon, une petite fleur, des petites choses comme ça. Lola a trouvé cette petite chose là. Alors c'est pour faire normalement de la peinture dessus. Mais pourquoi pas en faire autre chose, je verrai. Pareil, on regardera de plus près, il y a 12 pièces dedans. Mais j'en trouvais des très jolis, là, dans ce que j'aperçois. Pareil, on regardera en détail 7 dans la journée, dans l'après-midi. Voilà, j'allais dire cette semaine, mais non, la semaine, elle va être finie. Ça, je vous le montre après. Pareil, dans le rayon Pâques, j'ai trouvé cette petite chose. Alors, c'est pour dessiner sur les vitres, normalement. Je vais l'ouvrir avec vous. Ou non, je l'ouvrirai cet après-midi aussi. Il y a des pochoirs dedans. Donc, on regardera ensemble en détail ce qu'il contient. Je vais faire ma petite pile de ce qu'on va devoir regarder ensemble. Ah oui, j'en ai pris un deuxième aussi, comme ça, mais avec les animaux. Mon animal préféré quand j'étais petite et que j'aime toujours, c'est le cochon. Donc, j'ai vu qu'il y avait un cochon, il y a une petite vache, il y a un poussin, voilà, petit canard. Donc, je l'ai également pris. Ça, c'est pour après. Ça, c'est autre chose. Ah j'ai également repris une bobine de dentelle. L'autre jour, il ne l'avait pas. Donc là, ici, ben deux bobines. L'autre jour, il n'en avait pas de la beige quand j'y suis allée. Et là, il y en avait. Donc, c'est deux motifs différents. Je vous les montre comme ça. Si vous voulez les voir en détail, dites-le moi cet après-midi. Dans ce cas-là, je les déballerai. Et il y en a 5 mètres sur chacune. Action, j'ai enfin trouvé la planche magnétique. Donc pareil, on fera les tests cet après-midi. C'est un format A4. Donc j'étais super contente de la trouver. Mais je n'ai pas trouvé que ça en nouveauté. J'ai trouvé enfin les nouveaux blocs. Oh, j'étais trop contente. Sur le coup, on ne les a pas vus avec Lola. Ah, puis je suis revenue en arrière. J'ai quand même regardé. Ici, mais ils étaient tout en dessous de la pile.
Parce que même la dame du rayon pensait ne pas les avoir eues. Donc là, c'est celui sur le thème lavande. Donc avec des hirondelles, de la lavande, une pivoine. J'adore, c'est magnifique. Donc c'est ceux qui sont sans... Non, ils ont... Glitter, d'accord. Alors là, glitter, je le cherche. Sur celle-là, non. Sur ce motif-là, on n'a pas de glitter. Non, j'en vois pas et j'en sens pas. Sur le suivant, oui, on a un petit peu de glitter. Je vous montre de près. Voilà. Comme ça, vous voyez les petits points. Alors, c'est un sur deux, le glitter. Vous avez l'habitude. Là, le lilas, il a le glitter. Il est magnifique. J'adore. J'adore le lilas. Ça me rappelle plein de souvenirs de quand j'étais petite. Là, on a cette petite forme. Je vous montre de près, hein. J'essaye que vous puissiez voir. Là, il est comme ça. J'adore les teintes. Ça fait très printanier, ça. Wow. Là, avec des petites fleurs. Là, pareil, des petites fleurs, mais sur les teintes vert. Vert clair. Là, regardez. Il est sublime, j'adore. Là, il est très chargé, mais il est joli aussi. Là, ça nous fait des espèces de petits losanges à base de petits pois. Là, ouais. Ouais, celui-là, voilà quoi. Celui-là, il aurait pas été dedans, il m'aurait pas manqué. Là, du lilas blanc, du lilas violet et du lilas rose. J'adore. Là, comme tout à l'heure, mais sur un fond vert. Oh là là, celui-là, il est joli aussi. Très printanier, très frais. Ça fait du bien quand on arrive dans ces teintes. Oh, non, non, tu réagis pas. Ça fait du bien quand on arrive dans ces teintes-là. Je suis désolée pour Oli, hein. Voilà, donc, le lilas, on l'a vu. Après, nous avons... Alors là, lilas, il est glitter. Celui-là, il est foil. Donc, les petits pandas. Alors, je vous avouerai que celui-là, j'ai hésité sur le coup. Mais j'ai quand même craqué. Donc, les mini pandas. Avec les points foil et sans les points foil. Bon, là, il n'y a pas de foil du tout. C'est du base gris avec des petits pois blancs. Là, carreau jaune et blanc avec des gros pois. Ouais. Alors, celui-là, voilà. Là, j'ai bien aimé les petits. C'est des petites équelles. Regardez. J'aurais préféré des malinois, hein, je vous le cache pas. Mais bon. Là, voilà, vous voyez le foil, c'est nickel. Dans les teintes de bleu. Là, on a des petits citrons. Ça va encore être très beaucoup d'agrumes, hein, cette année. Des petites marguerites. Je vous les zoome au plus près, voilà. Que vous puissiez bien voir les détails. Donc, foil et pas foil. Voilà. La jaune, un jaune pétant. Hein. Ouah, jaune citron. Avec des petits points de foil. Et là, des petits points ouais, blancs. Là, avec les mini pandas dessus. Voilà. Il est plus joli sans le foil, là, je trouve. Là, donc, on voit bien le foil. Là, c'est du gris. Donc, des rayures. Les petites équelles sur un fond jaune citron. Le même que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'être jaune, là, il est bleu. Avec les points, vous voyez. Des petits dalmatiens. Pareil, je vous les zoome au maximum, voilà, pour que vous puissiez voir. J'essaye de pas trop bouger, je suis désolée. Les petites marguerites, donc, avec le foil et sans foil. D'ailleurs, on les reconnaît bien. Et les petites étiquettes. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, le rose avec la petite poupette. C'est du glitter. Donc, le premier papier... Si j'arrive à ouvrir, voilà. Donc du glitter rose.
La suivante, c'est blanc. Il est super joli. Regardez là, j'adore. Comme une tache d'aquarelle. Là, des petits cœurs. Nickel pour la Saint-Valentin. Donc, avec glitter, sans glitter. Là, celui-là, il est très joli aussi. Glitter, sans glitter. Encore très printanier, très frais. Très coloré. Donc là, il n'y a pas de glitter sur celui-là. Là, bah, le même principe hein, que tout à l'heure, mais avec un cadre foil, glitter, pardon. Et le papier. Là, ils n'ont pas fait de cadre. Et voilà, c'est aussi simple. Alors, celui-là, bon. Hein. Voilà. On a le cadre glitter. Le suivant n'a pas de cadre. Là, on a encore des petits cœurs pour la Saint-Valentin avec des petits points de glitter. Vous les apercevez. Là, regardez les pivoines, elles sont superbes. J'adore. Donc, glitter, pas glitter. J'ai mon petit papier qui s'envole. Yep. Bon, celui-là, il est joli, hein, mais ça fait un peu tristounet. Tout le reste est très peps. Hein, et là, d'un seul coup, voilà. Mais bon. Là, j'adore celui-là. Avec son effet... Ouais, ça fait les petites feuilles qui tombent. Là, pareil, très coloré, très floral. Ça, pareil, j'adore. J'aime beaucoup. Des traits comme ça, mais pas réguliers. Donc là, on a du glitter rose. Ah, je mets en pause. C'est qu'il va y avoir du bruit. Là, je m'excuse. Non, on lit. Ouais, on a du glitter rose et là c'est noir et blanc. Tache d'aquarelle et nos petites étiquettes. Bah, dites-moi les blocs comment vous les trouvez les filles, mais honnêtement, ces trois-là je les adore. J'ai pas pris les autres. J'aime énormément ces trois-là. Ensuite, on a été chez Cultura un petit coup puisqu'on a croisé ma Mumu là-bas. On s'était donné rendez-vous là-bas. Donc, j'ai acheté ce lot de magazines. Je vous les montrerai. Si ça vous intéresse, dites-le moi. J'ai pris un ciseau comme ça. Marre de ne pas retrouver le mien. Donc, du coup, ça sera de meilleure qualité. Et je me suis trouvé deux washi Paris. Donc, il y en a un qui était en solde et pas l'autre. Donc, voilà. Et je mets en pause le temps de débarrasser un petit peu. Je reviens tout de suite. Là, et j'ai ma Muriel qui m'avait trouvé des petites choses. Donc du coup, oh là là, mais t'es adorable. Elle m'a dit qu'elle m'avait mis des petits trucs en plus. Oh, elles sont magnifiques ces Gorgus. Regardez. J'adore. Oh ben je te remercie infiniment. Donc elle m'a mis ça. Mais tu m'en as mis plein des choses. Regardez les stickers, ils sont superbes. J'adore. Donc tu m'en as mis deux planches. Oh, les petits nœuds. Magnifique. Pareil, tu m'en as mis plusieurs planches. Alors, oh, c'est génial. Elle m'a trouvé le dies des animaux de la forêt. Oh, oh je suis trop contente parce que là, je ne les ai pas trouvés. J'ai toujours pas trouvé les chiffres et les lettres de cette collection. Alors ça, je désespère, mais voilà. Ces deux dies-là également. Des petites fleurs blanches et violettes. Oh, t'es un amour. Yep. Pareil, blanche et violette, il y a deux tailles et deux formes. Oh, t'es adorable. Oh là là. Oh, qu'ils sont mimi. Regardez. Ils sont tout. Oh, la matière, elle est top. Des petits papillons verts d'eau. C'est en mousse un petit peu. Un petit peu épais là. Des petits nounours roses. Des petits nounours bleus. C'est adorable. Oh, elles sont trop mimi les petites feuilles, regardez. Là, pareil, il y en a plusieurs. T'es un amour, ma belle. Oh, génial. Oh, trop contente. Ah ben ça, si tu m'en retrouves, tu peux m'en reprendre. Il n'y a pas de souci. Des timbres. Regardez.
trop trop contente. Donc là, il y a ceux-là aussi. Ceux-là, surtout, ma belle, je sais que tu la verras la vidéo. Si tu en retrouves des timbres, tu n'hésites pas. Oh, génial. Ils sont magnifiques. Elle m'a reglissé des planches de timbres. Ils sont superbes avec la machine à écrire, tout. Oh, j'adore. Là, tu m'as glissé deux feuilles. Alors, c'est les mêmes, donc je vous en montre qu'une. Ils sont magnifiques, ces oiseaux aussi. C'est adorable. Alors, il y en a un qui se promène là. Voilà. Des attaches parisiennes. Elles sont trop choupies. Oh là là. Donc, de chez Rayer. Non, c'est pas Rayer, ça. Si, c'est Rayer. Des petits embellissements avec des petits anges, des petites couronnes. Oh là là. Des flocons de neige aussi. C'est adorable. Là, on a des, comment ça s'appelle? Des cabochons. Ça tombe bien, tu vois. En plus, ceux-là, je ne les avais pas trouvés. Ils sont magnifiques. Je les remets dans la boîte pour ne pas les perdre. Là, encore des petites feuilles. Non, Oli. Non. Oh, j'adore. C'est super mimi. T'as vu, Louloute? Ouais. C'est adorable. Oh, ils sont mignons, ces petits sapins. Ils sont... Je pense que c'est du bois. Oli, stop. Je suis désolée pour la chienne. Hé, mon sac. Ça va qu'il est vide. Regardez. Des die-cut 3D. Ils sont superbes aussi. Très fleuri, tout ce que j'aime. Très, ils font assez vintage en plus par endroit. Alors vintage, je me comprends. Hein. Il y a vintage et vintage. Et là, oh, t'es un amour. Des petits breloques. Regardez. Ils sont trop beaux 3D. Il y a l'épaisseur. Oh là là, t'es un amour. Là, je mets de côté, je vais regarder ta petite carte. Je reglisse dans le carton. Alors franchement, mille merci, ma mémure. Hey, c'est encore Noël avec toi. C'est adorable. Yep. Donc dans une très jolie enveloppe. Oh, elle est magnifique ta carte. Avec du velours ras, c'est top. Regarde le loot. Wow. Regardez. J'adore. Et la couleur et la texture, c'est génial. On a plusieurs matières. On a le papier, on a le velours, on a le ruban. Oh là là, c'est magnifique. Bonne année. Et bien encore tous nos voeux, ma belle, surtout la santé. Des gros bisous, franchement, ça me touche énormément. C'est un amour. Et en même temps, j'en profite vite fait. Je vous avais dit que j'avais fait un magasin l'autre jour où je n'avais pas pris grand-chose. Donc, c'était... c'est pas le nom qu'il a, mais ils font Centre-Accord. Vous voyez, sur la pochette, sur le sac, c'est marqué Centre-Accord. C'est pas le nom de l'enseigne, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, j'ai trouvé de la dentelle large. Elle fait 10 cm de largeur et il y en a 10 mètres. Je vous la montre de près. Il y avait plusieurs couleurs. Il n'y en avait pas 50, hein. Il y avait blanc. Il y avait rose, il y avait rouge, il y avait bleu. J'ai trouvé, là, elle doit faire 8 cm si je me rappelle, sur 20 mètres, c'est du tulle. Pareil, là, il y avait blanc ou bleu. J'ai trouvé des attaches parisiennes très longues, donc j'en ai repris. Et j'ai trouvé cette petite dentelle. Alors, elle n'était pas donnée. Il y en a 3 mètres. Mais je l'ai trouvée tellement belle. Regardez. 3,50 € le paquet de dentelle. Mais voilà. J'ai pas su résister. Je l'ai trouvée vraiment magnifique. Donc, vous voyez, je n'allais pas vous faire un haul pour 4 petites bricoles. Un petit haul tout seul. Mais là, j'en profite pour vous le faire. Allez, je ne vais pas vous embêter plus. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Bisous, bisous. Scrapez bien. Je vous aime.